Eh bien bonjour. Vous n'êtes pas sans le savoir, j'aime beaucoup Wes Anderson, donc je ne pouvais pas résister à vous parler d'un de ses films dans ce petit calendrier de coup de cœur. Aujourd'hui, on parle du Grand Budapest Hotel, sorti en 2014. Toujours avec un casting des plus fameux, The Grand Budapest Hotel nous transporte aux côtés de Gustav H., le maître des clés de cet hôtel incroyable. On suit donc son histoire via celle de son apprenti, un rescapé politique que Gustav prendra alors sous son aile. Rythmée telle une valse poétique et saupoudrée de toutes parts de la patte de Wes Anderson, que ce soit dans la symétrie des plans, les couleurs, la musique, la direction d'acteur aussi méticuleuse et touchante soit-elle, cela nous transporte complètement à Zubrovska, ville imaginaire où se déroule le film. L'interprétation des personnages et la direction d'acteur est impeccable, et on se ravit de cette ambiance pastel qui nous cache pourtant beaucoup de mystères. Chaque plan est une composition à part, mais bien qu'on puisse se réjouir de la maîtrise de l'image, cela n'enlève rien à la qualité du scénario, qui nous fait entrevoir de l'humour, de l'enquête, des conflits familiaux et amoureux. Nous tenant réellement en haleine, on passe d'une ambiance à une autre d'une manière très fluide, et on s'attache très rapidement à ces personnages ballottés dans l'entre-deux-guerres. N'hésitez pas, prenez une chambre au Grand Budapest, vous n'en serez pas déçus. Sur ce, à demain!